Camarades, peuple d'Afrique, je vous avais dit que Trump allait gagner. Mais là, voilà, frère, c'est le comeback, le grand comeback. Yeah, man. Frère, non, c'est grave. Il n'y a même pas match. C'est-à-dire que les dépouillements ne sont même pas encore finis. Mais Trump est devant la barre. Il est devant la barre. Frère, après Lula, c'est Trump qui fait son comeback. Lula, il est parti et puis il est revenu. Trump est parti et puis il est revenu. Hey, Gbagbo revient. Hey, Dieu. Gbagbo revient. Hey, il y aura un mani. Frère, c'est Sarkozy qui voulait faire un comeback. Mais il n'y a plus l'argent. Il a tué Kadhafi. Qui va donner l'argent quand on fait campagne? Sarkozy, on est désolé. Frère, non, c'est pas possible. Je vous le dis, quand il dit c'est serré entre Kamala Harris et Donald Trump, il dit, c'est que Trump est devant là-bas. Je vous ai pas dit ça. C'est que tellement que je connais l'Occident, tellement que je connais leur communication, tellement que je les connais, frère, hein. Quand ils réagissent, moi, ils savent de quoi ils veulent parler. Je lis à travers leurs réactions, à travers leurs agissements. Je les trompe devant. Trump a gagné. En fait, aux États-Unis, les États clés qu'on appelle les swing states. Yeah, man. Les swing states. Yeah. Donc, quand tu gagnes 270 États clés, tu gagnes les élections. Trump a frappé 277. Alors où on est là? Il a frappé 277. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. C'est-à-dire qu'il continue. Il continue. 277. Et Kamala Harris a 224 états clés. Donc là, il est à avoir les 51, beaucoup pour cent. Mais il avance. Il est capable d'atteindre 280 États. Non. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, le monde a compris. Les gens ont compris ce qui se passe dans l'État profond. Même ils ont démasqué. Vous avez vu Trump? C'est un dur à cuire. C'est un dix. C'est chef! Ils ont sauté ses comptes sur Facebook, Twitter, sur tous les réseaux gérés par l'État profond. Il allait créer lui-même son réseau social. Trou, la vérité. Et il a commencé à travailler là-bas. Il a commencé à entretenir ses militaires et ses partisans là-bas. Après ça, Elon Musk a acheté Twitter et il a changé pour faire X. Frère, il a réintégré Donald Trump. En quelques jours, Donald Trump a atteint 90 millions d'abonnés sur Twitter. Elon Musk lui-même, il s'est rangé du côté de Trump et il a commencé à faire campagne pour Trump. Il donnait 1 million d'euros, 1 million de dollars par jour. Il prenait les gens par tirage au sort. Ceux qui signaient les pétitions, il les prenait par tirage au sort. Frère, il les prenait par tirage au sort et il leur donne 1 million par jour. Chaque jour, il dépassait 1 million de dollars. Chaque jour, il dépassait 1 million de dollars. Il donne aux gens comme ça. Là, il a fait un vélo électrique Tesla. Il a fait ça à 1000 dollars. Alors que le vélo électrique, c'est des milliers de dollars. Mais il a fait ça à 1000 dollars pour récompenser les électeurs.
Elon Musk s'est impliqué dans la campagne de Trump parce que il savait que les gens étaient derrière lui par rapport à, comment on appelle ça, par rapport à Tesla, là, ces véhicules électriques là, parce que ça concurrencie les véhicules thermiques, alors que les véhicules thermiques là, c'est l'essence, le pétrole. Donc si les véhicules électriques prennent de l'ampleur, le pétrole va prendre un coup sur le marché. Donc, les Américains veulent pas, les démocrates ne voulaient pas ça. Parce qu'ils sont dans le business du pétrole, ils sont dans beaucoup de business. Les armes et tout ça. Mais c'est fini pour eux. Écoutez les réactions déjà, les réactions. Emmanuel Macron, félicitations Donald Trump. Je suis prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années avec vos convictions et les miennes. Emmanuel Macron, président de la France. Yeah, man! Zelensky a félicité. Il dit quoi? J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche la paix par la force dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Alors, oh, le président, le premier ministre Netanyahou, votre retour historique à la Maison Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique. Benjamin Netanyahou. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. L'OTAN, là, c'est fini. Je me réjouis de travailler à nouveau avec lui pour faire progresser la paix par la force grâce à l'OTAN. Mark Rutte. L'Union européenne a félicité. L'Union européenne. Ursula von der Leyen a félicité aussi, écoutez. L'UE et les États-Unis sont plus que de simples alliés. Nous sommes liés avec un véritable partenariat entre nos peuples. Travaillons donc ensemble sur un programme transatlantique fort. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne. L'Italie aussi a félicité. Giorgia Meloni a félicité. Le président indien, Narendra Modi, a félicité aussi. Le président allemand, Olaf Scholz, a félicité aussi. Keir Starmer, premier ministre britannique, l'Angleterre aussi, a félicité. La Turquie, Erdogan aussi, a félicité. Et c'est la Russie qui n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore vu Draman, n'a pas encore félicité. Draman, tu ne veux pas féliciter ou bien quoi? Draman, félicite Trump. Il faut féliciter Trump, tu as un problème. Ou bien tu attends les résultats. Tu penses que c'est Côte d'Ivoire? Tu penses que c'est Côte d'Ivoire? Deux présidents, un là-bas, un ici, menteur, là, quand j'ai gagné les élections en 2010. Tu penses que c'est comme ça? On va attendre une semaine, deux semaines pour donner les résultats. C'est de là à là. Et on a donné les résultats. Trump a gagné. Il a fait 277 à 240. Attends, il faut que je revoie les résultats. Voilà. 277 swing state, à 224 swing state. 224. Alors que si tu as 270 déjà, tu es déjà partant. Donc, même le miracle ne peut plus ramener Kamala Harris devant Trump. C'est fini. Il a dit, Trump a frappé ça. Il a dit, le propre état, Trump a vendu. Donc, Draman, faut pas avoir honte. Il faut féliciter Trump à quitter ici. Yari, vous voyez les combats, non? Il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Gbagbo revient. Gbagbo revient. Ça là, il n'y a rien à faire. C'est Sarkozy qui ne peut plus revenir. L'homme qui te donne l'argent pour faire campagne, qui l'a tué. Qui va donner l'argent pour faire campagne? C'est fini. You don't mind. Frère, partagez une vidéo là. Il revient encore pour d'autres informations.